L'œsophage. Généralité à l'œsophage. L'œsophage ou le malek. L'œsophage est la partie initiale du tube digestif, donc tendue entre le pharynx et l'estomac. On a la partie initiale, c'est le du tube digestif. L'œsophage est le pharynx ou l'estomac. L'œsophage est un conduit musculo-membraneux. La constitution musculaire et membraneuse, c'est ou des membranes. Et il traverse successivement la région cervicale. Il traverse successivement direct la région cervicale. Je suis à la région cervicale et les vertèbres cervicales. Il traverse le médiastin postérieur. Le médiastin postérieur, c'est ma mort, la trachée ou les branches sous le diaphragme, le diaphragme, un hiatus œsophagien, il y a des trois minutes d'œsophage, et se termine dans la région abdominale, exactement l'estomac. C'est un organe médian, ou à un il descend en avant de la colonne vertébrale. Soit en avant de la colonne vertébrale, la direction de l'œsophage est verticale et médiane dans un plan frontal. C'est le plan frontal à l'échauffement. C'est dit souvent, un plan frontal. Un plan frontal, c'est maximum du bas. La direction de l'œsophage est verticale, comme et médiane. Médiane, c'est l'œsophage sur une coupe frontale. La longueur moyenne est de 25 cm, tol dans l'œsophage 25 cm, avec 5 cm pour l'œsophage cervical. Mais 16 à 18 cm pour l'œsophage thoracique. Ah, mais 16 à 18 cm pour l'anatomie de 3 cm pour le segment abdominal. On a rien contre 3 cm. En tout cas, on lui décrit de haut en bas 4 rétrécissements. Avec l'œsophage ternaire, il est composé de 4 triangles. C'est un ombob, comme on a vu que sur l'ombob, il est triangulaire. Ça m'a fait avoir les ombobs triangulaires. Non, mais des triangles tout ça, mais des idées triangulaires. D'accord. Le triangle a atteint 4 rétrécissements. Un, deux, ok, deux autres. Avec la jonction, quand je fais les 4 rétrécissements de l'œsophage ternant, il y a la jonction pharyngo-œsophagienne. Je mets la pharyngo-œsophagienne, c'est la jonction entre le pharynx et l'œsophage. L'étihad entre le pharynx et l'œsophage par la bouche de Kilian. Il y a le cours de le pharynx, on a déjà l'aura semi-lunaire. Il y a semi-lunaire, une gouttière semi-lunaire. Il y a la bouche de Kilian. La bouche de Kilian sépare le pharynx et l'œsophage. Exactement. Faites la bouche de Kilian, l'œsophage ternaire, il y a un rétrécissement. C'est-à-dire. D'ailleurs, la jonction pharyngo-œsophagienne sera au niveau de la 6e vertèbre cervicale, exactement une classe de pharynx, en même temps une hebdo, l'œsophage. Là où l'œsophage a un contact très étroit avec le pharynx. Avec l'œsophage, il y a un contact avec le pharynx, j'ai avec le contact, situé à 16 cm de l'arcade dentaire. Avec le premier rétrécissement, le premier rétrécissement au niveau de la 6e vertèbre cervicale, alors l'arcade dentaire inférieure, ou 1 cm. Du cas, maintenant, le premier rétrécissement, on voit la jonction pharyngo-œsophagienne. Du cas, le deuxième rétrécissement, on voit le rétrécissement aortique. Le rétrécissement aortique, alors, il y a
Aide le rétrécissement aortique, répond à la crosse de l'aorte. Il répond à la crosse de l'aorte. Qui mord l'aorte, qui est l'œsophage. L'œsophage, il m'a fait des commentaires. Il m'a fait des commentaires. C'est moi, maintenant, un rétrécissement. C'est moi, t'as dit. Elle répond à la crosse aortique à 25, à 23 cm de l'arcade dentaire à la hauteur T4. Elle donc aide le deuxième rétrécissement aortique. Il y a alors l'arcade dentaire inférieure, ou à 23 centimes. 23 centimètres. Al-Koutani aide le rétrécissement. Il répond à la quatrième vertèbre dorsale ou là la quatrième vertèbre thoracique. Jaïkabulna, la quatrième vertèbre thoracique. Le troisième rétrécissement, c'est le rétrécissement bronchique. Je mets le rétrécissement bronchique au niveau de la branche gauche souche. La branche gauche souche de la trachée à 26 cm de l'arcade dentaire. Donc, la division de la trachée de branche souche au niveau de la branche souche gauche. Au niveau de la branche souche gauche, il sera l'œsophage un rétrécissement. Avec le rétrécissement, il alors l'arcade dentaire inférieure, 27 cm. Oui, Jim Kabelna, le troisième rétrécissement bronchique, Kabelna, la sixième vertèbre thoracique. Norohu, le dernier rétrécissement, c'est le rétrécissement diaphragmatique. Lors du passage de l'œsophage au niveau du diaphragme, le passage de l'œsophage dans le diaphragme, l'anayon, à la hadek non? Où il est passé dans l'œsophage, l'œsophage dernier est passé vers l'orifice œsophagien du diaphragme. Ultimement, je suis passé le semi d'ailleurs. Il y a un rétrécissement, et le rétrécissement J-flat, dixième vertèbre thoracique. Adio, c'est une vue d'ensemble de l'œsophage. Adio, c'est une coupe frontale et tournant ensemble de l'œsophage. Exactement, oui. Les rétrécissements théoraux, malheureusement, à l'arcade dentaire. L'œsophage cervical, l'œsophage cervical, l'œsophage est l'organe le plus profond du cou. C'est moi, on voit l'occipitalement, la partie la plus profonde. C'est moi, oui, qu'on a mis dont il va suivre la courbure, ou je la courbure, il y a la symphyse thoracique, la symphyse thoracique, elle est venable. D'ailleurs, non? D'ailleurs, par exemple, d'ailleurs, le rachis cervical, rachis thoracique, madame le rachis abdominal. D'ailleurs, l'œsophage dernier, quand lequel en avant du rachis, soit en avant du rachis, soit l'ibn l'esrfé. Il va suivre la courbure. Il suit une de la courbure. L'idéal, le rachis thoracique. Le rachis thoracique, il présente la symphyse thoracique. L'œsophage tannant, il marche soit maintenant sur le monde tabac, elle a la symphyse. C'est moi, il va aller de la courbure. Ok. Ou tani, il va aller la courbure liée à la symphyse thoracique. L'œsophage cervical fait suivre au pharynx, elle quitte bien le pharynx. Il t'attend, elle a bien oublié. Il classe le pharynx, il va l'œsophage. Au niveau du bord inférieur du cartilage cricoïde. Elle a bien les limites du pharynx. La limite inférieure, c'est le pharynx. Il y a le bord inférieur du cartilage cricoïde, c'est le larynx. Effectivement, la jonction, mais le pharynx et l'œsophage, à la hauteur du corps de la sixième vertèbre cervicale. Donc, les rapports de l'œsophage cervical. Il se continue par l'œsophage thoracique au niveau de l'orifice crânial du thorax.
collectivement à l'œsophage cervical, il se continue. Yastamir, اسم واحد اخر اللي هو يولي لنا ان اوزوفاج توراسيك تحت لوريفيس سوبيريور دو توراكس. فعلى بالنا بلي لو توراكس تاعنا كي قريناها في الاناتومي دو توراكس، لو توراكس اي كونستيتوي بار دو اوريفيس، ان اوريفيس سوبيريور كي اوفير على لو كو تاعنا، ولوريفيس انفيريور كي فيرمي بار لو ديافراغ. لوريفيس سوبيريور ولا كرانيال تاع لو توراكس التما على مستوى لوريفيس هذا وين يبدا لنا لوزوفاج توراسيك. À la moustawa, l'orifice supérieur du thorax, et classement l'œsophage cervical ou maintenant l'œsophage thoracique. Repéré en avant par le bord supérieur de la fourchette sternale et en arrière par le corps de la deuxième vertèbre thoracique. Ikun muhaddad en avant par la fourchette sternale. Elle a bien appelé le sternum, le corps terre ou le manubrium. حولك الاسترنوم هذا لو مانوبريوم هذا لو كور وهنايا لو بروسيسوس اكزيفويد هنايا عندنا دو لا هذايا لو مانوبريوم تاع واش اسمو تاع le sternum carnon, il présente la fourchette sternale en avant. On a oublié l'orifice supérieur. Il se continue par l'œsophage thoracique au niveau de l'orifice supérieur du thorax. Il est muhaddad en avant par le bord supérieur de la fourchette sternale. C'est le manubrium de l'sternum. C'est la fourchette sternale. Le bord supérieur du sternum est la fourchette sternale. Et en arrière, par le corps de la deuxième vertèbre thoracique, la nerf omraltaine de la première vertèbre thoracique, non. Première vertèbre thoracique, mais chez deuxième vertèbre thoracique, parce que la première vertèbre thoracique, évidemment, l'œsophage thoracique. Il s'étend donc de la sixième vertèbre cervicale à la première vertèbre thoracique, éditaine Bidlura Marjura numéro 1, la première vertèbre thoracique. Ces différents rapports sont les suivants. On parle en tout cas les rapports à l'œsophage cervical. En avant, on parle la trachée et le nerf récurrent gauche. En avant, dans l'œsophage oblique, en avant, on a toujours la trachée. La trachée, mais le nerf récurrent gauche. Le nerf va gauche, d'ailleurs. Et maintenant, le nerf récurrent gauche, il est là, d'ailleurs. J'ai en avant. De l'œsophage, l'animal je peux infiché. En arrière, l'œsophage est séparé de la névrose prévertébrale. Avec l'œsophage aurique, on sépare la névrose prévertébrale ou les muscles prévertébraux de la colonne vertébrale. Avec la colonne vertébrale, avec l'œsophage. L'œsophage est séparé de la colonne vertébrale par la névrose prévertébrale, il y a une membrane, j'ai écrit par les vertèbres, ou les muscles prévertébraux, les humains, les muscles, les strings, les vertèbres. Et de la ponévrose prévertébrale, ou les muscles prévertébraux, il faut se donner dans l'œsophage, alors la colonne vertébrale. Latéralement, au récurrent droit et à l'artère thyroïdienne inférieure. Latéralement, les côtés latérales, نلقاو لو نير ريكورون دروا هنايا ونلقاو تاني نلقاو اوسي مور لو نير ريكورون دروا نلقاو لارتير تيوريديان انفيريور تاني لارتير تيوريديان انفيريور تكون دروات اي غوش يكون من زوج جايين يديرو دي رابور مع لوزوفاج لاتيرالمون قالو لك اي او دو لوب دو لا تيوريديان هاي ليك لا غلوند تيوريد لي دو لوب تاعها تاني كوم des rapports latéralement à l'œsophage. Au paquet vasculaire cervical, avec le paquet vasculaire cervical, il y a des rapports latéraux à l'œsophage. Le paquet vasculaire est d'ailleurs englobé dans la carotide primitive. La carotide primitive est divisée en la carotide primitive droite, interne et externe, et la jugulaire interne, la carotide primitive. Le nerf pneumogastrique,
le nerf vague tonico, non? Avec les muscles sous-éoïdiens. Les muscles sous-éoïdiens, et on met les muscles qui sont en dessous de l'os éoïde, le crénage l'os éoïde. D'accord? Voilà, d'accord. Ok, l'os éoïde, il faut que le larynx. Ok, l'os éoïde, c'est les muscles qui sont en dessous, les muscles sous-éoïdiens, et on va latéralement, pour l'os éphagéralement, et on va d'accord. C'est moi latéralement, derrière des rapports latéralement, il y a des muscles sous-éoïdiens. Il dit, et les muscles sternocleido-mastoïdiens, les sternocleido-mastoïdiens. D'accord? La vascularisation, innervation de l'œsophage cervical, les artères. On a donc l'œsophage cervical, l'œsophage thoracique, quand l'œsophage abdominal, mais on a la même vascularisation. La vascularisation tao, c'est peut être l'alhsab, les segments tao. L'œsophage cervical, la vascularisation tao, les artères tao, l'idée de la vascularisation liée, provient de l'artère thyroïdienne inférieure. Qui va prendre l'artère thyroïdienne inférieure, l'idée latéralement, l'idée des rapports latéraux de l'œsophage. L'artère thyroïdienne inférieure a un rôle dans la vascularisation de l'œsophage cervical. Donc, les veines se jettent dans les veines thyroïdiennes inférieures. Kif kif. Puisqu'il y a une artère thyroïdienne inférieure, elle en contact avec une veine liée à la veine thyroïdienne inférieure. C'est-à-dire les veines de l'œsophage se jettent comme les ferraux thyroïdiennes inférieures. Les lymphatiques se jettent dans les ganglions de la chaîne récurrentielle. Flucutana, qui est une chaîne récurrentielle, il y a un chabaka, mais les nœuds lymphatiques, mais les ganglions lymphatiques. Et chabaka, il y a l'état surinant, la vascularisation lymphatique de l'œsophage ternant. L'innervation est assurée par les branches des nerfs récurrents. L'innervation de l'œsophage sera par les branches des nerfs récurrents. Qui va connaître le nerf récurrent gauche, le nerf récurrent droit, il déroule des branches, il te fera haut, et donc les branches, il déroule l'innervation de l'œsophage ternant, et les sympathiques cervicaux, il déroule l'innervation involontaire de l'œsophage ternant.